Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce matin je vais vous faire partager un petit moment de calme puisque je suis en bordure de mer. Voilà, il est tôt, je suis venue super tôt pour avoir un peu de tranquillité, profiter du soleil qui commence à se lever. Lui qui va faire encore très très chaud, ça va être la journée la plus chaude aujourd'hui. Donc j'espère que vous me voyez bien puisque j'arrive pas à tourner la caméra en même temps que je filme. Donc voilà, donc je suis en bordure de mer, je vais vous montrer tout ça, hop 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 hop, un petit tour. Et voilà le paysage. Alors, je suis à Anglette, voilà, et vous voyez la mer. Et la plage où je suis, c'est la plage de mon enfance, voilà, celle où on venait le plus souvent quand j'étais enfant. Ah là là, ça fait du bien. La mer, elle est calme. Pourtant, c'est marée haute. Les chiens. Voilà. Donc ici, et donc en fait, cette plage s'appelle la Chambre d'Amour. Donc je suis à Anglette et vous voyez le phare qui est là et cette côte là. En fait, derrière ce phare, c'est Biarritz. Voilà, la ville de Biarritz. Et là-bas, ici, vous avez une. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que je peux mettre mon doigt pour vous montrer? Non, ça va pas le filmer. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que je peux vous montrer? Non. Alors là-bas, au fond, vous avez une grotte. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la chambre d'amour. Alors je vais vous tourner aussi parce que derrière, c'est aussi très beau. On voit pas, mais il y a des falaises. Voilà, là-bas, derrière, il y a des falaises. C'est super beau. Pourquoi cette plage s'appelle la chambre d'amour? Alors je vais vous raconter la petite histoire quand même, qui est plutôt sympa, enfin qui est sympa, qui est une jolie petite histoire. Donc c'était l'histoire d'un garçon, alors je crois, qui s'appelait Laurence, qui était pauvre, qui était orphelin, et qui était amoureux d'une fille qui était d'une famille très riche de cultivateurs, voilà, qui s'appelait Sobad. Donc ils étaient super amoureux et évidemment ben, ça plaisait pas à leurs parents, forcément. C'est un peu style Roméo et Juliette. Hein. Et puis donc ils se donnaient rendez-vous dans cette grotte qui est que l'on appelle maintenant la chambre d'amour. Donc, la grotte là-bas qui est au fond en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là-bas dans la pierre, il y a, dans la pierre, là où vous voyez l'amas de pierre, il y a une entrée, c'est une grotte. Et en fait, ils se donnaient rendez-vous là-bas bah, pour se jurer leur amour à la vie, à la mort. Et puis, hop, la madame qui se promène. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, qu'ils étaient dans la grotte, il y a eu un terrible orage dans le golfe de Gascogne. Et puis, la mer est montée. Et les a emportés et ils sont morts. Ils sont morts ensemble, noyés, emportés par les flots, vu que cette grotte a les pieds dans l'eau. Voilà, pour la petite histoire. Donc là, tout ça, c'est Anglette. Là-bas derrière, vous avez encore des plages qui continuent, qui continuent, qui continuent. Hein. Il y a toute une succession de plages. C'est super beau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on voit les bateaux au loin. Au loin, au loin, au loin. Hein. Là-bas aussi un petit bateau. Allez, je vous laisse apprécier quelques secondes de calme. Et puis après, on se retrouvera bientôt en vidéo, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Moi, je vais aller tremper les pieds. Allez, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas de boire, il va faire très 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 chaud aujourd'hui. Nous, on va monter à 40. C'est pour ça que je suis venue vraiment tôt à la fraîche. Voilà, histoire de tremper un peu les jambes, de faire un petit bain. Et puis voilà, et puis après, cet après-midi, tranquille à la maison. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao.